Salut à tous, bienvenue sur la chaîne d'Eurocoon. Et Willo, yo les gens. Et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pépite cachée. Ouais. Et aujourd'hui on va s'attaquer à la, GBA. Enfin, Willo va s'attaquer puisque c'est lui qui a bossé. C'est lui qui va vous présenter tous les jeux que vous allez voir. J'ai choisi 5 jeux, vu que je suis tout seul et le temps de les faire, ça j'en ai 5. Mais je prévoirai bien entendu d'autres vidéos pépites GBA. Et bah du coup, je te propose qu'on s'attaque tout de suite, mais après... Le générique évidemment. Cher Willo, tu nous as fait une petite sélection de 5 jeux que vous pouvez voir ici. Et c'est toi qui vas nous les présenter. Tu choisis, tu fais l'ordre que tu veux et je présente. Alors, on va commencer par... Alors, un auquel j'ai joué, il s'agit du Kuru. Kururin. Voilà. Donc, alors, qu'est-ce que c'est que Kuru? Alors, c'est un petit jeu, franchement, qui paye pas de mine comme ça. Vous voyez juste une barre, vous allez vous dire... Qu'est-ce que c'est que ce jeu? Eh bien, c'est un jeu d'adresse, si je peux dire comme ça. Oui, jeu d'adresse. Très compliqué, très difficile. J'ai réussi à arriver au dernier stage, mais je n'ai pas réussi à faire le dernier stage. Il y a 3 x 7, 21. Il y a 21 stages, je crois. Si je ne dis pas de bêtises, un truc comme ça. Et tous les 3 stages, on va devoir délivrer un petit frère du personnage qui s'appelle Kululin. Un espèce de petit oiseau. Ouais, un espèce de petit oiseau. Alors, comment on joue? Et bah, Kululin va rentrer dans un vaisseau en forme de barre. Ouais. Et cette barre-là va tourner toute seule. Ouais. Et le but, ce sera d'arriver à la fin du stage sans toucher les bords. Un peu comme les jeux dans les kermesses que vous avez où il y a un anneau en métal et il faut pas toucher les bords sinon tu te prends un coup de jus ou un truc comme ça. Donc c'est ça, alors le gameplay est très simple mais ça va vraiment mettre vos nerfs à rude épreuve. C'est hyper original, c'est très bien trouvé. T'as une version GameCube et je crois que t'as un 2 mais qui est sorti. Alors t'as un 2, alors je sais pas s'il est sorti en France, à vérifier, donc on vous mettra peut-être une petite image du 2. C'est Kuru Kururin Paradise, le 2 je crois. Ouais. Et il y en a un, et oui effectivement, qui est sorti sur GameCube aussi. Alors celui-ci je l'ai pas... Mais ça, tu présenteras peut-être aux pépites GameCube. Il faudra que je me le prenne et que je le teste. C'est ardent. Donc alors, on peut peut-être aussi parler au niveau du gameplay, que t'as aussi alors des phases où des fois sur les murs tu vas avoir des petits ressorts qui vont changer. T'as des sortes de bumpers comme ceux de Sonic qui vont changer le sens, donc ça va permettre parfois de passer à certaines zones où tu ne peux pas accéder si le vaisseau tourne dans le sens des aiguilles d'une montre, il faudra inverser. Tu auras parfois des boules avec des pics qui vont arriver qu'il faudra éviter qu'ils t'écraseront. Tu auras... Alors t'as 3 vies. Ouais, t'as 3 cœurs. Et au milieu du parcours, t'as toujours... Une sorte de checkpoint qui te permet de régénérer ta vie. Voilà. T'as du temps, un système de scoring si tu veux aller très vite et faire les stages très rapidement. Tu peux avoir aussi des petits petites customisations que tu peux débloquer pour améliorer ta barre, mais ça c'est plus un petit plus qu'autre chose. Le jeu en lui-même, si vous êtes très très bon, franchement en moins de 5 heures vous pouvez le terminer. Sinon je pense une bonne dizaine d'heures de jeu. Ah mais vous allez criser sur certains stages. C'est très très dur. Moi personnellement j'ai pas été au bout parce que il y en a qui sont hyper hyper chauds quand même. Alors on aura la possibilité bien sûr d'accélérer avec le bouton A de la Game Boy Advance, d'aller plus vite si on le souhaite. Ça peut être à double tranchant, ça peut permettre parfois de passer dans des zones où il faut être très rapide et parfois vu qu'on va vite on perd le contrôle et on peut se toucher, toucher les bords et être dans la merde. Et je vois qu'apparemment on peut jouer à plusieurs avec une seule cartouche. Alors, on n'a pas testé. Mais ça peut être fun le multi sur ce jeu. Je pense que ça doit être une course ou un truc comme ça. Je sais pas si c'est avec le câble Link. Je pense que oui. Donc en Link câble et on peut jouer jusqu'à 4. Après les musiques sont super, c'est une musique arcade, de jeu d'arcade, tout ça. Oui, ça fait penser aux vieux jeux d'arcade. Est-ce que tu te souviens du prix à peu près? Que tu me l'as pas sujet à Noël, moi personnellement je le prendrai en japonais parce qu'en japonais il est pas cher du tout et il n'y a pas besoin du tout de Oui parce qu'après le scénario c'est vraiment ça. Après il est un petit peu plus cher en version PAL forcément, mais après je me souviens plus trop du prix mais je pense pas que ce soit excessif. Je crois que c'était entre 30 et 40 euros. Ouais quelque chose comme ça. Au pire je regarderai sur eBay, je me dis peut-être lors du montage si j'ai la Tu me donnes du travail, c'est moi qui vais faire. C'est toi qui vas faire le montage. Donc je te propose d'enchaîner
on n'a pas fini. Avec le numéro 2, je te laisse annoncer. Eh bien, c'est le Wade Hickston's Counter Punch. C'est ça. Alors, comme vous pouvez le voir à la jaquette, c'est un jeu de boxe. Et c'est un jeu... Oui, on voit que, quand même que c'est un jeu de boxe. Oui, on voit des personnages. Voir, avec des grands boxes. Oui, on voit un gros gorille. Alors, c'est un dérivé de Punch-Out. Enfin, c'est pas un dérivé, c'est on va dire un jeu qui s'inspire du gameplay voilà, de Punch-Out. En termes de gameplay, ouais. C'est un Punch-Out-like. Oui, voilà. C'est plutôt comme ça que j'aurais dû annoncer ouais, tout. Oui. Alors, il est excellent. Je suis bloqué au boss de fin. Pareil, je n'y arrive pas. Il est très dur. Il faudra vraiment s'acharner, être patient. Parce que même si vous allez apprendre le pattern, donc, c'est-à-dire il faut apprendre par les cœur, mouvements qu'on fait à l'adversaire, ça changera quand même. Ce ne sera jamais la même chose. Donc, même si tu apprends, tu sauras à peu près les mimiques des personnages, ce qu'ils vont faire. Par contre, chaque ennemi aura un méga coup qu'il effectuera, et ça, le méga coup sera toujours pareil. Je pense notamment à un méga coup avec une fille où elle danse dans une discothèque, et d'un coup, il fait nuit, et on voit juste ses points qui sont réfléchissants, et tu vois juste les points, et tu dois les éviter. Donc ça, j'ai trouvé ça pas mal. Donc okay. C'est très rythmé. Ouais. Il y a beaucoup de bonne musique. C'est ambiance un peu années 80. Un peu funky, ça, ouais, funky cops. Ouais, d'ailleurs, les personnages, le chara-design est vraiment très comique, très fun, très cool. Pareil pour la commande liste, bah, on aura les coups de poing, les light punch avec A et B. On aura les hypercutes avec L et R. La possibilité d'esquiver de droite à gauche avec les flèches. Et on aura la possibilité d'acheter en boutique des méga coups. Que vous pourrez effectuer via des commandes spécifiques, genre A plus B, droite, gauche, tout ça, et en fonction, plus vous affrontez de personnages, plus vous aurez d'argent et possibilité de débloquer ses coups. Ouais, donc oui, effectivement, une petite cachée. Il est très court, mais il est vraiment bon. Ouais. Moi, je l'ai eu pour 30 euros, en complet, en version française, mais oui, ça doit être ce prix-là à peu près. Ouais, c'est version multilingue, on va dire. Vraiment excellent. Alors là, tiens. Alors ça j'y ai pas joué, mais c'est vrai que ça me botte bien. Donc il s'agit du Konami Crazy Racer. Voilà, c'est ça, faut bien préciser Konami, parce que justement c'est un Mario Kart-like, mais sous licence Konami. C'est ça, donc qui dit licence Konami dit quel personnage. Alors il y a Gambare Goemon. Ouais, après je connais pas trop Konami, donc... Puyo Pop. T'as pas Puyo Pop, Pop and Music. Et Konami, forcément... Tu veux pas dire Pop and Twin V? Non, Pop and Music, ah ouais. le petit chat. Et t'as un petit calamar, un petit poulpe avec une casquette, mais je sais pas d'où ça vient ça. Non, je connais pas, non. Et t'as une tête de l'île de Pâques, on dirait un peu, en personnage. Et un petit robot, bah ça c'est Grey Fox, non? Non, derrière l'île de Pâques. Ah oui, t'as Grey Fox, c'est bah Metal... oui. Bah, justement, petite anecdote, Metal Gear. Tu as une course Metal Gear avec ta musique de Metal Gear en 16 bits. Ouais. C'est vraiment sympa, avec les containers... emblématique où Snake se cache et se met à couvert derrière. Alors le jeu, comme je l'ai dit, c'est un Mario Kart-like. Ouais, très coloré. Très coloré, les musiques sont vraiment oui, top. Oui, oui. Très arcade, t'as plusieurs modes. T'as le mode coupe aventure avec 4 coupes, je crois, si je me trompe pas. Ou 3 coupes avec 4 courses par coupe, quelque chose comme ça. Donc c'est soit 21... 16 courses. Ouais, 16 courses, bon, ouais. Je me suis trompé. 16 courses, je les ai toutes faites. C'est assez facile dans l'ensemble, à la fin ça commence à se corser avec la course dans les nuages. Et il y a la particularité dans ce jeu là, c'est que tu as deux types de cadeaux, tu auras les rouges qui te permettront d'avoir des objets, genre les missiles qui équivaut à la carapace rouge, le missile bleu qui équivaut à la carapace verte, tout ça. Et après tu as les cadeaux bleus qui eux seront uniquement des boosts, et plus tu en ramasses, plus tu augmentes ta charge de boost et plus tu iras loin. Donc si tu es très skillé et très fort, tu peux jouer qu'au boost et aller très vite. Alors, est-ce que c'est aussi bien qu'un Mario Kart sur Advance? Admettons, alors, comparé avec le Super Circuit, moi je l'ai préféré au T'as Super préféré Circuit. J'ai préféré celui-là. Okay. Après, ça reste à voir. Moi, t'as un système de dérapage aussi ou pas? Non, t'as pas de dérapage, je crois pas. Je me souviens plus, t'as les boosts au sol, rose, ça je m'en souviens, parce que là ça fait un moment que je l'ai fait. T'as le Time Attack, t'as le mode fantôme. T'as un mode bataille aussi, mais ça, jouer tout seul contre l'ordi, c'est pas intéressant. Donc j'ai fait Tu peux jouer pareil, câble Link. Ouais, tu peux jouer au câble jouer Link. À plusieurs, ouais. Alors pour le prix, je regarderai sur eBay, je mettrai. Oui, parce que c'est un cadeau. Petite, donc, annotation, donc je peux pas savoir. Mais en tout cas, il est vraiment excellent. Et si vous aimez les Mario Kart, c'est vraiment un must-have de la GBA. Et puis sous licence Konami, donc plein de personnages tirés de ces licences, donc c'est plutôt cool. Ensuite, eh bien, on va passer à l'avant-dernier avec ce jeu, Lady Sia, effectivement.
Alors, savais-tu que c'était développé par les Français? Ouais, voilà, bah, c'est ce que j'allais te dire. Alors voilà, Laetitia, pareil, excellent jeu. Assez court, vous pouvez le faire, je pense, en 10 heures. Peut-être même moins si vous êtes très bon et pas aussi nul que moi. Alors, c'est un jeu plateforme action où on incarne la princesse Laetitia qui se fait enlever par les Tsoa. C'est des sortes d'anthropomorphes. Et, un peu comme des hommes poissons. Il y a les hommes poissons, mais il y a aussi des sortes d'hommes lapins, il y a un peu de tout. Et elle décide de savoir qui l'a enfermée. Elle se fait délivrer par une personne et elle décide de savoir qui a fomenté ce plan et découvrir qui est le méchant derrière tout ça. Et donc, vous allez devoir traverser plusieurs level design, vous allez avoir plusieurs boss, notamment une sorte de roi triton qui enverra des vagues vers vous. Vous avez une épée, vous avez plusieurs types de combos, vous avez la possibilité d'envoyer des rayons avec votre bague quand vous allez débloquer votre bague magique. Vous avez la possibilité de faire des combos avec les gâchettes derrière, les boutons A, pour briser plus vite les boucliers de certains ennemis. Franchement, le jeu est très beau. Ça me fait penser à Shantae un petit peu. Ouais, c'est vrai, c'est un peu un... Oui, mais graphiquement, c'est vrai que c'est très coloré et très joli. C'est très coloré, ça fait un peu un effet pastel, un effet peinture. C'est vraiment cool. Pour de la GBA, ouais. Alors, le seul bémol, si je peux dire, c'est la musique qui est vraiment très répétitive, redondante. En fin de niveau, le level design commence à être un peu moins bon et un peu chaotique par rapport au premier niveau. Mais ça reste quand même... En fin de niveau ou en fin de jeu? En fin de jeu. En fin de jeu, ouais. En fin de jeu. Parce que tu auras la possibilité d'escalader, de sauter, de détruire des murs, tout ça. Et voilà. Ok. Et ils avaient prévu de faire une suite. Oui, on avait malheureusement, le studio a fermé en 2004 ou 2007, je sais plus. Et du coup, il y avait un Laetitia 2 et 3 qui était annoncé, j'ai vu, mais ils n'ont pas continué. Il y avait même un Laetitia 3D, je crois. Et il est pas cher. Celui-là, je l'ai eu à la Pixel Day grâce à Francisco à 15€. Oui, il est trouvable pas trop cher, effectivement. Il est vraiment bon et c'est un bon petit jeu de plateforme et c'est français. Et enfin, le dernier jeu de la sélection, et pas des moindres, puisque je crois que ça doit être ton coup de cœur. Je crois que c'est mon coup de cœur et c'est une grosse surprise. Le TMNT, donc Tortue Ninja, Teenage Mutant Ninja Turtles. Bien préciser que celui-ci est sorti en multiplateforme, à savoir sur, je crois, PS2. Oui, PS2, PS3, je crois, quelque chose comme ça. Alors, il n'y a que cette version. C'est le seul qui vaut le coup. Les autres sont pas... C'est en 3D, alors que là, c'est un beat'em all à l'ancienne version old school. C'est vraiment très nerveux. En 2D. En 2D et c'est du fun à l'état brut direct, un gameplay vraiment aux petits oignons, donc un peu comme les Turtles in Time. Bon, après, du niveau de Turtles in Time, mais il vaut vraiment le coup. On a les 4 tortues, chaque tortue aura ses coups spécifiques. On aura le combo de base avec B, on aura les coups sautés, les coups verticaux, les coups horizontaux, le coup à 360 degrés devant et derrière, et on aura bien sûr accès aux méga coups qui pourront faire appel à un des frères, et en fonction de si on l'appelle souvent ou si on fait équipe souvent avec lui, on aura une méga jauge qui permettra de faire une méga attaque. Celle-là, j'ai pas réussi à la débloquer. Il y a 7 actes, je crois, donc chaque acte correspond à un stage, notamment un des premiers stages que j'ai bien aimé avec le métro qui arrive dans le subway de New York. Qui est vraiment stylé. Tu auras la possibilité de détruire plein d'objets du décor et de t'en servir pour te battre avec. Style batte de baseball, tout ça. T'as des barres à mine où tu te casseras aussi des. Classiques, on va dire, des beat'em up, de l'époque. Tu casseras aussi des sortes de péages de parking, tu sais, qui te permettront d'avoir des pièces. Ah oui, les trucs qui te permettront d'avoir justement des pièces pour après réacheter des bonus de stats, genre attaque, coups spéciaux. Ah oui, donc il y a un petit côté statistique. Tu rachètes des coups, quoi. C'est pas, t'auras la possibilité, avant de lancer des niveaux, t'auras une sorte de hub où tu seras à la fois dans les égouts ou à la fois au-dessus, où tu pourras rencontrer April et l'autre personnage avec sa crosse, je me souviens jamais de son nom. Oui, je vois qui c'est. Et tu auras des petites phases d'entraînement où tu devras détruire des mannequins avec des shurikens qui bougeront tout seul, tout ça. Mais franchement, le jeu est vraiment fun, les musiques sont vraiment cool. Et alors celui-là, il n'est pas tiré de l'anime qu'on a connu, nous, petits, je crois. Pas des années 90, c'est celui des années 2000, genre 2004, quelque chose comme ça. Le jeu est sorti en 2007. Ouais, c'est ça. Et est-ce qu'il y a Shredder et Krang? Non, le méchant là, c'est 4 personnages, 4 qui ont chacun un pouvoir. Et d'ailleurs, en boss de fin, tu dois les affronter avec chacun une phase différente.
Ok, d'accord, ouais, donc t'as pas vraiment. Mais t'as le clan des foot, par contre. T'as le clan des foot. Est-ce que t'as l'espèce de sanglier là et le rhinocéros? Non, ils y sont pas. C'est pas Billy Joe, je sais plus leur nom. C'est pas du tout la. Ouais, non, les choses sont plus du même non plus. Ouais, effectivement. Mais ceci dit, il est bien au niveau Il est vraiment bien. Il est nerveux. Si vous voulez faire juste le mode histoire, pas faire aussi, il y a un système d'achievement. Mais ça, c'est plus un truc annexe qu'autre chose. Je pense qu'une dizaine d'heures, ouais, ça suffit. Ok, donc voilà, donc 5 pépites cachées, voilà, sur, ouais. Sur la GBA. Vous avez de quoi faire. Une petite sélection sympa, je trouve que tu as sélectionné vraiment des... Alors j'en ai choisi 5 parce que je suis le seul à faire les jeux GBA là pour l'instant, oui, je sais pas si un jour tu les feras. Mais en tout cas, j'en prépare 5 autres, pas pour tout de suite, mais à l'avenir. Oui, voilà, donc on espère en tout cas que cette petite vidéo vous aura plu. Si vous avez ben, des pépites cachées sur GBA à conseiller à Willow, n'hésitez pas, puisque voilà, c'est sa petite console rétro de prédilection, on va dire. Ouais. Et voilà, donc t'adores cette console. Et là, tu prépares, je vois, je regarde là-bas la pile de jeux. Et effectivement, il y en a déjà quelques-uns qu'on a présentés dans les achats et que tu présenteras sans doute dans une vidéo pépite. Ouais, quand je rappelle quand même que les pépites, ce sont des jeux, on essaye de faire des jeux qui n'ont pas été trop mis en avant à l'époque de leur sortie, mais qui valent le coup. Donc voilà, en tout cas, si cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à nous lâcher un petit pouce bleu, un petit commentaire, ça nous fait toujours très plaisir de lire vos commentaires. Si éventuellement vous tombez sur notre chaîne grâce à cette vidéo, n'hésitez pas à checker les playlists. Et si le cœur vous en dit, à vous abonner à la chaîne. Nous, on vous dit à bientôt pour de nouvelles aventures sur la chaîne, que ce soit des pépites, des achats, tout ça, reste un peu. Voilà, on vous dit à bientôt et on vous dit ciao ciao. Ciao les gens.